Salut les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois je suis pas toute seule parce que je suis avec Constance et Vincent que j'ai rencontré grâce à notre partenariat avec la Spiritual Box. Donc c'est ce qu'ils ont créé ensemble, c'est ce que je vous ai présenté aussi il y a déjà plusieurs semaines en vidéo, cette petite box que j'ai beaucoup adorée. Donc je me suis dit ça serait super intéressant parce que moi j'adore l'entrepreneuriat et j'adore savoir un peu les parcours. Je trouve ça hyper inspirant de se rendre compte un petit peu comment les choses se créent et d'où c'est venu, peut-être pourquoi Spiritual Box aussi, d'où c'est venu le côté spirituel. Donc j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de votre histoire, de où c'est que vous en êtes arrivé là, et je vais vous laisser m'expliquer déjà peut-être un petit peu, parce que j'en aurais pas trop demandé avant, histoire de garder un petit peu de surprise pendant notre discussion aussi. Donc je vais les découvrir en même temps que vous au final. Donc voilà, déjà vous vous êtes rencontrés comment tous les deux? Ça fait un petit moment que vous êtes ensemble, parce qu'ils sont en couple. Alors notre histoire est... C'est issu d'une rencontre karmique, on peut appeler ça comme ça. Puisqu'il faut savoir qu'avec Constance, en fait, on s'est rencontrés. Donc avant, on était dans le nord, nos parents étaient dans le nord, donc du côté de Béthune. On a été dans l'école maternelle ensemble. Okay. Et en fait, si tu préfères, on s'est retrouvés à 700 km, donc ici près d'Annecy, par hasard. 20 ans plus tard. Mmh. Mais j'adore cette histoire, elle est géniale. Voilà, donc ça c'est notre histoire. C'est vrai que, en fait, on a fait nos études à Lille. On s'est toujours plus ou moins suivi parce que c'est vrai que Lille c'est une ville étudiante, donc forcément tout le monde se connaît un petit peu. Donc on est parti de la maternelle. En plus, ce que tu as oublié de dire, c'est qu'on était amoureux en maternelle. Oui, t'étais mon amoureux quand même. On s'est tout de suite aimés. Et puis bon, après, on a chacun fait notre petit chemin, on a fait nos études. Et sur l'île, voilà, on se recroisait toujours un petit peu. Il y avait toujours quelque chose. Mais voilà, on n'est jamais sortis ensemble. Et puis moi, j'habitais encore chez mes parents il y a 3 ans de ça. Donc je suis descendue du côté d'Annecy, ouais, avec mon papa qui a été muté dans cette région. Et en fait, complètement par hasard, pour la petite histoire, je poste sur Snapchat une photo d'Annecy, ma nouvelle ville, en disant « c'est magnifique, regardez les potes et tout ». Et là, Vincent vient vers moi, il me dit « mais t'es à Annecy ?» T'es en vacances? Je lui dis mais non, j'habite là maintenant, j'ai déménagé. Il m'a dit mais moi aussi. Et en fait, en papotant, on s'est rendu compte qu'on a déménagé en même temps, dans la même région. Et du coup, bon, on a décidé pour donner des nouvelles, de boire un verre en ville. Et puis on a tout quitté l'un pour l'autre. On s'est mis ensemble tout de suite dans la soirée, quoi. C'est incroyable. C'est drôle. Donc voilà. Et pour la petite histoire, vas-y, je te laisse terminer ça. C'est vraiment le... la chose. Ouais, petit bouchon. En fait, donc quand on s'est mis ensemble avec Constance, mes parents nous ont raconté comme quoi en fait mes parents à moi avaient revendu, donc quand ils étaient plus jeunes, leur propre maison aux parents à Constance. Donc mes parents m'ont conçu dans cette maison et ont revendu la maison aux parents à Constance et ont conçu Constance dans cette maison. Non. Dans la même chambre. C'est vrai qu'on... Si ça, c'est pas l'univers qui envoie des signes. Et puis à chaque fois, j'en ai des frissons. C'est fou. Dès qu'on raconte cette histoire, ça me... Voilà pourquoi on a créé aussi la Spiritual Box, qui est notre petit bébé aujourd'hui. C'est le premier. Le premier bébé, c'est ce que tu dis. C'est le premier bébé. Et du coup, justement, votre chemin un petit peu sur ça, est-ce que vous étiez déjà penché ce côté un petit peu spirituel, intéressé par, j'imagine, la méditation, ce genre de choses-là? Ou est-ce que ça, si vous êtes construit ensemble, en fait, est-ce que ça, vous l'aviez découvert chacun de votre côté avant? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert ensemble et que vous avez poussé un petit peu plus ensemble, quoi? Alors, moi, je vais vous parler un petit peu personnel, hein, c'est des choses que je fais pas forcément. Donc moi en fait, si je préférais, j'ai une adolescence un peu compliquée. J'ai mon papa qui a eu une grave maladie, donc je me suis occupé de lui pendant toute sa maladie. Et le jour de son décès, en fait, à 2h du matin, il était en soins palliatifs et il y a eu un appel du ciel en fait, en me disant voilà, Vincent, faut que tu ailles voir ton papa, etc. Et du coup, je suis arrivé dans cet hôpital, dans le soin palliatif, et je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Et à ce moment-là, en fait, mon papa est parti de la vie en fait. Donc il y avait déjà des signes spirituels, et en fait depuis le décès de mon papa, j'ai comme si c'était mon ange en fait, il me suit vraiment partout dans mes démarches, et du coup j'ai développé cela plus avec Constance, parce que avant je me refusais plus ou moins parce que voilà, je comprenais pas les signes qu'on m'envoyait, et c'est vrai que t'as eu du mal à faire ton deuil, j'ai eu du mal à faire mon deuil, c'est grâce à la spiritualité.
spiritualité, méditation. Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, après, ben, du coup, j'ai développé cela grâce à la méditation. Et puis, voilà, dans l'épanouissement, enfin, j'ai développé ça un peu dans diverses choses. On y est entré en même temps. C'est vrai que j'ai vécu tout ça avec toi. Il a fait son deuil donc avec moi. Oui, un soir d'ailleurs qu'on n'oubliera jamais. Et voilà, donc on s'est mis tous les deux à découvrir les pratiques spirituelles, la méditation de pleine conscience. Moi, je me suis mise donc au yoga, le Hatha yoga, et puis depuis, on est épanoui à vivre avec notre spiritualité. Et voilà, c'est vrai que bon, bah voilà pourquoi on a créé la Spiritual Box, parce que déjà, moi, j'étais une férue des box, du concept des box à la base, le fait vraiment de révéler cet enfant intérieur, vous voyez, quand on reçoit un cadeau à la maison, quelque chose qui vous est approprié, un cadeau que vous vous êtes fait, c'est rare quand même quand on se fait un cadeau à soi-même. Souvent on offre à quelqu'un d'autre, mais on ne s'offre pas souvent des choses. Et c'était aussi le but, c'était vraiment de développer ce concept des box qu'on aimait bien. Et faire plaisir. Faire plaisir aux gens, et voilà, qui développe aussi cet aspect de se faire plaisir. Puis voilà, en découvrant la spiritualité, le développement personnel. Ouais, du moment où vous avez eu l'idée et que vous l'avez vraiment lancé, c'est passé combien de temps? L'idée, on l'a eu au mois de mai. Ouais, on l'a eu au mois de mai, exactement. Il commençait à faire beau, on était. On était en train d'écrire sur un petit bout de papier, oui, voilà, dessiner la box, dessiner. Bon, on faisait le business plan en fait, on faisait le. Voilà. On faisait des petits dessins, je me souviens des petits dessins qu'on faisait. On allait constituer les box, le logo, enfin voilà, ouais, parce qu'après c'est vraiment. C'est génial cette partie, ouais, voilà. J'imagine, de tout concevoir, de tout imaginer. Oui. On voit le chemin qui est très long devant, et je trouve ça merveilleux. On se dit que ça y est, l'aventure commence, il y a plein de choses. Moi, je le conseille vraiment à pas mal de personnes, c'est parfois s'écouter. Forcément, ça n'a pas été toujours facile, parce que bah, y a des hauts et des bas forcément dans le lancement d'une société, notamment bah, dans notre pays. Enfin, je veux dire, on a assez, enfin voilà, les papiers, voilà, il faut faire attention administrative. Donc, parfois, il faut savoir, voilà, vous allez méditer 5 à 10 minutes pour dire l'URSSAF, enfin voilà, tous les. Voilà, il voilà, y a des moments où voilà, c'est un peu complexe, parce que bah, en termes de gestion, ça nous demande beaucoup d'investissement. Mais après, quand on voit tout ce qu'on apporte aux gens et la satisfaction des gens, bah, voilà, sur les réseaux et tout, c'est ce qui nous fait avancer aussi. Parce qu'il y a notre amour, mais il y a aussi l'amour des gens, et du coup, c'est ce qui nous fait grandir aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'on a toujours envie d'apporter plus. C'est ça. C'est pour ça d'ailleurs que voilà, une surprise. On n'a pas encore dévoilé. Oui, ils ont un petit projet secret qui est apparemment pour l'instant n'est pas dévoilé. Donc on verra d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques semaines. Une semaine ou deux, je pense, pas plus. Ouais, petit réglage et puis. Quelques semaines normalement. Voilà, exactement. Et du coup, est-ce que vous attendiez à ça? C'est quoi les challenges peut-être que vous avez rencontrés justement jusqu'ici côté entrepreneuriat comparé? Vous avez connu salariés tous les deux avant Oui, tout à fait. On était salariés tous les deux avant. On a toujours été salariés. Enfin, on n'a jamais monté d'entreprise avant. C'était vraiment la première fois. Et voilà, en fait, ce qu'on a pu rencontrer, par exemple, c'était de convaincre l'extérieur d'un projet. On a eu cette obligation de convaincre beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément justement convaincus, parce que la spiritualité, il faut quand même savoir que en France, dans la spiritualité, c'est vrai qu'on n'est pas très, peut-être, ouvert d'esprit, pas suffisamment. Et là, attention, de plus en plus, effectivement, les personnes vont vers le développement personnel. Il y a une prise de conscience, tout à fait. Mais c'est vrai qu'au début, et il y a quelques mois seulement, du coup, comme ça fait que 6 mois qu'on existe, c'était pas encore super évident de croire en un projet lié à la spiritualité. Il y avait beaucoup de... j'ai pas le mot d'amalgame, en fait, avec des choses qui n'ont rien à voir. Oui, oui. Le spiritisme, des sectes. Ouais. Et voilà, c'était beaucoup convaincre notre challenge en fait. Ouais, le regard de votre famille justement de vous lancer là-dedans. Bien sûr, ils sont très terre à terre. Enfin voilà, on les aime très très fort, mais voilà, enfin c'est vraiment c'était des échanges quoi, je veux dire. Mais lancer la Spiritual Box, ça fonctionnera jamais. Enfin, vous imaginez la spiritualité. Enfin voilà, et nous en fait on y a cru, on n'a écouté personne, on a écouté notre cœur, et aujourd'hui bon, on est content d'en être arrivé là. Et on a encore plein de choses à aller découvrir. Oui, parce que c'est que le début de l'aventure aussi. Hein, c'est que le début, donc voilà. Et là, comme là, on vient de finir de constituer la box de juin, c'est un bonheur en fait. C'est vraiment un bonheur tous les instants. C'est de construire et de créer chaque jour. Ouais. C'est de te lever, te dire, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire?
Ah bah aucune journée se ressemble à ça. Et avant justement du coup de monter la Spiritual Box, vous faisiez quoi du coup juste avant comme métier? Vous étiez enfin vous faisiez quoi au final? Alors moi j'étais dans le commercial en fait sur Lausanne, donc dans la vente. OK. Et encore une question de complémentarité, moi j'étais dans les achats, j'étais acheteuse donc sur Genève. D'accord. Et ça n'a pas été en fait le moment, vous n'avez pas eu peur quoi, de vous dire allez on se lance, ou est-ce qu'il y a quand même eu un moment de doute et de se dire... Non justement c'était trop bon en fait, c'était vraiment trop bon même. On n'a pas réfléchi mais du tout. Ouais en fait on s'est vraiment laissé aller quoi, on s'est dit mais de toute façon on est là, enfin en tout cas moi je sais pas ce que t'en penses mais j'ai cette âme de créateur et je veux dire c'est important pour moi aujourd'hui de vivre ma vie ici en créant des choses. Je veux dire... je respecte tout à fait, mais pour moi, suivre un dirigeant, d'ailleurs, ça a toujours posé des complications parce que j'ai toujours eu des idées à mettre en place. Ça a toujours été compliqué avec mes dirigeants parce que j'avais énormément d'idées que je n'étais pas forcément en adéquation avec eux. C'est vrai que tu débordes des idées. Mais voilà, j'ai plein d'idées et j'adore ça. Quoi. Je veux dire, aujourd'hui, je peux m'épanouir pleinement parce que je peux faire ce que Vincent a envie de faire. En fait. Ça, c'est merveilleux. Et ça vous aide dans votre chemin spirituel justement, l'entrepreneuriat ou même juste la spiritual box en soi, les marques que vous découvrez, les personnes que vous rencontrez? Ah oui, parce qu'en fait, faut savoir que toutes les marques et tous les produits qu'on choisit, derrière chaque produit, il y a une âme, et il y a du savoir-faire, parce qu'on travaille avec des produits. Et il y a une rencontre aussi. Fait main, voilà. Et du coup, il y a une rencontre. Là encore, ce week-end, on était au salon de Mandelieu. Voilà, on a rencontré des professionnels qui sont dans le même amour que nous, c'est-à-dire voilà, qui créent eux-mêmes leur alors soit dans la nourriture, soit dans les objets. Et du coup, c'est ça qui est sympa aussi, c'est de pouvoir vraiment échanger. Bon, bah du coup, comme on est dans la bienveillance, je pense que du coup, on est amené à rencontrer les personnes bienveillantes aussi, les personnes qui sont dans les mêmes valeurs et la même éthique que les mêmes vibrations, les mêmes vibes. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça aussi, je pense que si on reste vraiment dans cette belle énergie, on fera que des belles rencontres et tout s'ouvrira à nous. Mais comme ça marche aussi avec, voilà, avec tout le monde, je veux dire, tant que vous êtes dans la positivité, dans la bienveillance, que vous voulez donner vraiment tout le meilleur de vous-même, tout se passe naturellement. Toutes les portes vont s'ouvrir à vous. En fait. Oui. Moi, je pense que c'est comme et ça. Et justement, ce que tu réponds, c'est assez complémentaire ce que dit Constance, c'est-à-dire que dans la méditation, c'est un peu pareil, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que bon, parfois, tu vas commencer à rentrer en méditation, puis tu as des portes que tu as fermées pendant des années, et du coup, ça va te permettre justement d'ouvrir certaines portes, et ça va te permettre d'avancer. Donc pour répondre à ta question, le fait que est-ce que l'entrepreneuriat, tout ça, ça t'apporte quelque chose par rapport au côté spirituel, justement. C'est-à-dire que ça te permet aussi d'ouvrir des portes, aussi bien durant les méditations que durant notre travail. Very, very interesting. Mais il y a aussi le côté... votre chemin avant de commencer même dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui pour vous a fait le plus évoluer au final? Du coup il y a eu cette histoire qui me met juste les frissons rien que d'y penser, de ton père. Mais après ça, est-ce que ça a vraiment créé une prise de conscience qui a fait que derrière vous avez recherché tous les deux à vous... Comment en fait vous avez vécu votre chemin spirituel au final à ce niveau-là? Moi par exemple, je suis allée dans comme j'en parlais, je suis allée dans des retraites, je suis allée j'ai cherché à faire un jeûne, j'ai cherché est-ce que vous avez eu des étapes comme ça en fait où vraiment vous avez eu besoin d'aller plus loin, et maintenant comment vous l'intégrez dans votre vie plus normale au final en France, ou même si vous n'avez pas forcément besoin d'aller à l'étranger pour faire des retraites fait ce qui est intéressant, c'est de toujours le voyage, il peut être aussi bien intérieur que extérieur. C'est nous aujourd'hui, on a ce besoin aussi bien de voyager, rencontrer donc de nouvelles personnes. Enfin là, tu vois, on revient du Népal, c'était juste merveilleux, quoi. Voilà, rencontrer vraiment une autre culture, d'autres partages. Ouais. Et du coup, ça nous a vraiment éveillés différemment. Alors que parce que c'est vrai que au moment où on s'est mis ensemble, pour répondre à ta question, c'est vrai que Vincent, quand je me suis mise avec toi, je connaissais l'histoire de ton papa, j'ai été présente aussi plus ou moins dans le Nord du coup par rapport à cet événement-là. Mais c'est vrai que parallèlement à ça, j'ai eu énormément de... J'étais pas heureuse non plus, il faut savoir qu'on n'a pas eu les mêmes genres de problèmes, mais...
on n'a pas eu la même souffrance exactement, mais c'est vrai qu'on a souffert en même temps, entre guillemets, oui. pas pour les mêmes raisons. Et c'est vrai que justement, le fait de me mettre avec toi, ça m'a vraiment permis de découvrir ma spiritualité par rapport au fait que voilà, on a vécu ensemble le deuil de ton papa. Donc du coup, moi j'étais avant quelqu'un de beaucoup plus terre à terre, il faut le savoir. Je ne croyais que ce que je voyais. Et je la reconnais bien cette phrase. Je connaissais bien aussi ça. Et ben voilà. Et j'ai pas honte de dire ça. Et par rapport à notre projet. Et c'est vrai que avec ce que j'ai vécu avec Vincent, je me suis tout de suite dit, mais Constance, tu te trompes, mais c'est un truc de malade. Je veux dire, t'as les yeux fermés sur la vie en fait. T'as les yeux fermés sur ce qui se passe autour de toi, sur ton potentiel spirituel, sur vraiment. Enfin. Et du coup, voilà, pour répondre à ta question, c'est vrai que c'est venu de là. Et du coup, on a commencé à s'intéresser donc à des sujets. Très spirituel, le voyage astral, ces choses-là. Tu connais un petit peu c'est le moi, voyage je suis, astral non, pas encore trop, évidemment. Moi, je suis très, très ouverte sur ce genre de choses, ouais. donc j'adore apprendre plus, mais c'est vrai que je ne connais pas encore, je connais pas encore très bien. Du coup, voilà, c'est des choses sur lesquelles on s'est intéressé, le voyage astral. Donc, c'est la sortie de corps, c'est-à-dire que le corps et la conscience sont deux choses différentes, le corps et l'esprit. Et donc, en fait, c'est la sortie de l'esprit. Sortie, voilà, c'est ça, hein, c'est l'esprit qui s'extériorise du corps finalement. Et voilà, c'est des sujets spirituels sur lesquels on s'est intéressé et qui nous a aussi amené donc à la Spiritual Box, des sujets sur lesquels on a passé un peu de temps. Quelque part, c'est d'aller chercher pas que la matière, mais aller chercher aussi tout ce qui se passe autour dans l'univers. Quoi. Oui. C'est un peu ça pour résumer. Exactement. Et quand tu arrives à lier les deux, c'est juste merveilleux parce que. Tu comprends plein de choses en fait et toutes les portes s'ouvrent en fait. Je parle encore de portes, c'est vrai. Enfin, ouais. Il y a un film d'ailleurs qui est génial qu'on pourrait te conseiller. On en a vu tellement. Ah, mais n'hésitez pas à m'envoyer des listes, moi j'adore. Le film qu'on a regardé, après c'est vrai que moi je retiens sur pas. Sur l'histoire d'amour. Oui, avec la musique qu'on aime bien. Ah oui, sur le destin, oui. Ça s'appelle L'Agence. Oui, L'Agence. Là, je connais pas du tout. Avec Matt Damon. Ok. Et, c'est un film qui raconte tout ce que c'est que le destin, mais à travers une histoire d'amour. Et c'est un film qui nous a plu. Ouais, c'est vraiment. On note. Comme quoi le destin existe et le karma, comme on dit. Oui. Ouais. Nous, on vit à travers le karma. Je veux dire, pour nous, si tu fais du bien, tu récolteras du bien, et si tu fais du mal, tu récolteras du mal. Bien sans sûr. Aucun doute. Bien sûr. Et en fait, t'es plus puissant comme ça quand tu donnes que de l'amour. Le but, c'est de donner un maximum d'amour. Et même si on te donne du mal, tu réponds avec amour. Avec amour. Et avec le cœur. Parce que aujourd'hui, on nous a donné un cœur et il faut bien s'en servir. Le cœur est fait pour être détruit, il est fait pour être aimé. C'est très bon. En plus, ça sort comme ça. Ça sort, ouais, c'est vrai que. Il n'y a pas de mental. Non, mais c'est hyper intéressant parce que du coup, j'adore savoir un petit peu les chemins des autres et se rendre compte qu'il y en a d'autres qui prennent ce chemin parce que je trouve que des fois on peut se sentir très seul. Donc, vous êtes encore à deux, vous êtes en couple. Complètement. Mais c'est vrai que moi, parfois, par exemple, je peux avoir le sentiment de ne pas me sentir comprise en fait, par ceux autour de moi qui, même si évidemment moi aussi je les adore, mais, mais on prend tous question, des chemins différents et c'est des choses qu'eux ne les intéressent pas forcément, en tout cas à ce moment-là de leur vie. Donc vous pouvez en parler en fait à vos proches un petit peu ou est-ce que c'est quelque chose de compliqué ça aussi ça a été compliqué au démarrage mais non, pas tu c'est vois maintenant, c'est possible maintenant on a aidé justement mon beau-père mon papa qui était très terre à terre et voilà ça a été des discussions pendant longtemps comme on t'a dit tout à l'heure au démarrage il disait complètement non mais ça marchera pas enfin voilà rester travailler en Suisse gagner vos petits sous et voilà et nous on voulait pas et on s'est vraiment écouté quoi on nous a mis et puis on a aidé aussi beaucoup de personnes dans notre entourage je veux dire qui ma mère ta maman par exemple voilà je veux dire pour vraiment lâcher prise parce que c'est des personnes qui étaient vraiment ancrées dans leur quotidien mais dans la société ouais tu sais dans des normes dans des étiquettes les yeux fermés en disant bah voilà tu seras ci tu feras ça enfin comme on nous a plutôt éduqués dans nos pays occidentaux mais c'est vrai que du coup maintenant il y a cette ouverture d'esprit et du coup bah pendant les mêmes repas de famille tout ça c'est plus ouvert ouais c'est beaucoup plus ouvert c'est marrant parce que j'ai ressenti la même chose tu vois, depuis que moi j'ai senti que je me suis ouverte sur ça on a des conversations genre beaucoup plus profondes en repas de famille c'est exemple. Plus intéressant et ça parle moins avec le mental et plus avec le cœur voilà. Parce que les gens sont enfin on n'est plus à réfléchir qu'est-ce que je vais lui dire enfin voilà on est vraiment dans voilà aujourd'hui tu t'exprimes ce que tu veux tu
parles de ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, et du coup, bah, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est beaucoup plus profond, et du coup, bah, voilà, on peut parler sans jugement, en fait, on peut parler librement, et c'est ça qui est chouette. Ouais. Non, c'est clair que c'est vraiment, je trouve que c'est le moment où voilà, tu en fait, tu t'ouvres toi à plein de nouvelles choses et t'apprends plein de nouvelles choses sur toi-même, mais au final, tu permets aux autres aussi de s'intéresser à quelque chose de différent. Et moi, je sais que par exemple, mes parents, ils vont maintenant tous les week-ends faire du yoga ensemble. Alors que c'est quelque chose, on en aurait parlé il y a 3 ans, ça aurait été pas possible. Après, c'est pas dû forcément qu'à moi. Je pense que, comme vous disiez tout à l'heure, il y a vraiment une prise de conscience un peu plus générale. Mm-hmm. Je sais pas, je ressens un peu ce truc qui se passe chez beaucoup de personnes. Bien sûr. Alors moi, il faut savoir que j'ai eu, justement, tu me parlais aussi des signes un peu spirituels. J'ai eu lors d'un matin, en fait, quand je partais au boulot, à la radio, donc en Suisse, une radio suisse, qui disait en gros que 2017 était l'année des prises de conscience, mais par hasard. Et au mot, du coup, prise de conscience, enfin, voilà. Et juste après, bah voilà, c'est à démarrer mon chemin spirituel. Donc il y avait un signe. En fait, il y a toujours eu des signes. Après, c'est à toi de t'ouvrir, en fait, de t'ouvrir à tout ça. Et comme ça, tu vas recevoir, tu vas donner. Enfin, et après, c'est très fluide. L'énergie va circuler. Enfin, et après, c'est merveilleux, quoi. Je veux dire, c'est moi. Quand je suis pas dans l'énergie, en tout cas, je suis pas forcément heureux. Donc, j'ai toujours besoin de donner, échanger, recevoir. Si je reste dans mon petit coin et je fais voilà mes petites choses. Je suis pas et puis je pense que c'est ce qu'on cherche un petit peu tous. On a besoin d'apporter de la valeur, on a besoin de ce côté de se sentir utile quand même envers les autres. Après, on a tous des manières différentes de le faire aussi. Après, c'est les chemins, c'est ce que je dis. Après, le but, c'est-à-dire qu'on prend des chemins tous différents. On peut très bien prendre des chemins où on n'est pas sur la bonne voie. J'en ai pris, Constance en a pris. J'en ai pris aussi. Il faut essayer plusieurs chemins avant de trouver le bon. Voilà, c'est ça. Et le but, en fait, c'est de. Bah voilà, savoir c'est se de, perdre aussi. Des fois. Oui, voilà, c'est ça. Et puis de retourner parfois en arrière et de. Mais toujours aller de l'avant. Le but, c'est. Enfin, moi, mon mot-clé, c'est vraiment toujours être déterminé, en fait. La détermination. Et regarder en avant. Et garder devant toi. Parce que derrière, au final, bah voilà, ce qui est passé est passé. Ça t'apportera plus rien. L'instant. Et puis aussi vivre dans l'instant présent, pas vivre dans le futur. Ah, demain, je vais m'acheter, je sais pas, j'ai envie de m'acheter un gros 4x4 et que tu l'as en tête pendant un an et que tu veux bosser. Non, c'est tout. Enfin, je veux dire, tu verras bien, enfin, vis l'instant présent. On est là, les oeufs de champ, il fait beau, enfin, on est bien. Enfin, si ça se trouve, dans 5 minutes, tu vas flasher sur une de chevaux. Enfin, voilà. Oui, voilà. C'est vraiment de laisser les choses venir à toi, en fait, et de vivre l'instant présent. Ça, c'est vraiment merveilleux. C'est pas évident. Mais vivre l'instant présent, c'est vraiment merveilleux. Quand t'arrives à canaliser, tu vois, le. Au final, c'est tout ce qu'on a. Hein. Oui. Si on y réfléchit, le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. C'est ça. C'est tout ce qu'on a. Quoi. Aussi. Et dans cet instant présent, nous avons la compagnie de plein de petites. plein de petites. la petite nature qui nous accompagne. C'est ça. Non, mais. Ouais, non, c'est entièrement ça, mais c'est tellement dur. C'est tellement dur de s'ancrer, je trouve, parfois. On nous incite tout le temps, en fait, à être dans. Il y a ce côté où on se rappelle beaucoup le passé entre nous, et il y a ce côté aussi où on nous incite à beaucoup voir dans le futur, à penser long terme. Oui. Et du coup, c'est de trouver son équilibre, en fait, parce que je pense que c'est important d'avoir des plans et d'imaginer son futur. Réussir à trouver un juste milieu. C'est ça qui est difficile, c'est trouver cet équilibre. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que ce que je disais avec Constance, voilà, donc, mais on laisse faire les choses, parce que tu vois, en fait, chaque fois, tu vois que les choses changent et ça se passe jamais comme tu veux. Ça, c'est bien vrai aussi. Et c'est vrai que du coup, tu peux même prévoir à une heure et ça ne se passe jamais. Jamais comme tu veux, ouais. Donc arrêtez de prévoir. Ouais. En fait, ça rejoint parce que du coup, la détermination te pousse vers l'avant. Du coup, elle te pousse vers des choses positives. Mm-hmm. Enfin, parce que du coup, tu es déterminé à vouloir bien faire. Donc, tu vois, c'est. Puis on n'a rien au final dans son détermination. Enfin, c'est ça, oui. Si tu restes dans ton coin, devant la télé, dans ton canapé, c'est sûr qu'il ne se passera pas. La vie est bien faite, donc moi j'ai confiance en ça. Oui, en fait, dans le karma. Qu'elle soit bien faite. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas du genre à m'inquiéter. Je suis quelqu'un qui ne s'inquiète pas du tout, donc c'est vrai que des fois que on n'est pas souvent d'accord sur certaines choses, je m'inquiète jamais parce que je sais que de toute façon ça se passera comme ça doit se passer. Donc on a dû changer de place parce qu'on a eu un petit problème technique et on avait le tracteur à côté, donc on a décidé de rechanger. On a parlé de beaucoup de choses, malheureusement on a continué à parler, on a dit beaucoup d'autres choses qui n'ont pas été enregistrées, mais on s'est dit que justement on était en train de parler de karma, donc c'était c'est que peut-être la fin de cette vidéo devait peut-être pas être sur YouTube, en tout cas pour l'instant.
l'instant. Mm-hmm. On aura sûrement d'autres occasions de le refaire. Moi, j'aimerais bien vous redemander si vous avez justement un conseil à donner à ma communauté, si vous avez quelque chose sur vous, ce que vous avez appris de votre propre chemin spirituel, et si vous avez envie de partager quelque chose peut-être avec eux. Voilà, il faut croire en ses rêves, il faut toujours se dire que tout est possible. Et puis la deuxième chose, c'était voilà, ne prévoyez rien dans votre vie. La vie est faite de magnifiques surprises, elle vous fera prendre des chemins auxquels vous ne vous attendez pas, et laissez-vous guider tout simplement. Voilà, la vie est faite pour ça. C'est beau, merci. Est-ce que tu as quelque chose que toi tu as envie de rajouter sur ça, ou est-ce que... Nous, voilà, je veux dire aujourd'hui, si ta communauté ou peu importe, des gens qui te découvrent à travers tes vidéos ou qui voient cette vidéo, faut savoir que nous on est disponible. Enfin, je veux dire, des personnes qui sont dans leur début d'éveil spirituel, qui découvrent ce qu'est la spiritualité, qui ont des questions. On est là pour leur répondre, donc vous pouvez nous poser toutes les questions dans la rubrique contact sur notre site internet www.spiritual-box.fr. Okay. Nous, on est deux, donc Je mettrai tout dans la description, évidemment. On est tous les deux de toute façon, et on prendra le temps de bien leur répondre, quitte même à ce qu'ils nous laissent leurs coordonnées téléphoniques, qu'on puisse échanger avec eux directement par téléphone. Il faut savoir que tout ce qui est écrit, c'est plus constance. moi, je suis très, très à l'oral. Il ne faut pas hésiter à nous contacter, à venir vers nous pour n'importe quelle problématique, même hors Spiritual Box, si vous avez des questions sur la méditation, comment débuter, voilà, si on peut vous conseiller, vous aider, ce sera avec grand plaisir. On est ouvert. On est très ouvert, il n'y a pas de souci, et on va vous répondre très consciencieusement, il n'y a pas de problème. Vous pratiquez quotidiennement la méditation De manière différente, c'est vrai que toi, c'est plus la méditation telle quelle, de pleine conscience. Oui. Moi, c'est à travers le yoga, donc avant ma séance de yoga. Quelques minutes, une dizaine de minutes avant le yoga. Tu fais du yoga tous les jours, du coup? J'en fais une fois par semaine, une à deux fois par semaine. C'est vraiment la chose qui me permet de... C'est mon moment de la semaine, quoi. C'est vrai qu'on a un programme assez chargé la semaine, mais voilà, je me consacre une à deux fois par semaine au yoga. D'ailleurs, là, on va essayer bientôt le fly yoga ensemble. Ça fait envie d'essayer cette discipline. Ça a l'air génial. Franchement, être dans les airs comme ça, ça nous fait un peu rêver, donc on va tester ça. Ça a l'air super fun. Ouais. Mais en tout cas, merci à tous les deux d'avoir accepté de me rencontrer, parce que je me suis dit que ça serait un peu plus original justement de pouvoir non seulement vous aider à découvrir un nouveau projet qu'est la Spiritual Box, parce que je vous avais présenté les box dans une vidéo avant, mais surtout les créateurs qu'il y a derrière, parce que moi personnellement c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de découvrir des humains et de découvrir justement vos parcours, de savoir comment vous en êtes arrivé là, et vraiment j'ai adoré notre échange aujourd'hui. Merci à toi. Merci beaucoup, et puis j'espère vous revoir très bientôt. Grand plaisir. Avec des cadres comme ça, c'est quand vous voulez, qu'en vrai, ça fait du bien. Même si on sur Paris. Avec les vaches. Exactement, si vous venez sur Paris, n'hésitez surtout pas à me dire. Et j'espère que ça vous aura plu. C'est un format un petit peu différent, encore une fois, mais j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois. Donc en fait, je crois qu'on va arrêter de dire qu'il y a des formats. Juste, il n'y a pas de format. Exactement. Et évidemment, si vous voulez en savoir plus sur la Spiritual Box, je vous mettrai les liens de ma vidéo passée, les liens de votre site, vos contacts. Je vous dis aussi, n'hésitez pas à les contacter, parce que je pense qu'il y a plein de belles choses qui peuvent être échangées. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, journée, je sais pas trop quand je posterai cette vidéo, on verra bien. Soyez heureux. Exactement. Et pensez positif. Pensez à vous, pensez positif. C'est super important. Exactement. Se concentrer. S'il y avait un truc qu'on avait dit et je crois qu'il ne doit pas être encore, c'est vraiment de trouver le bonheur dans les petites choses. Oui, c'est ça. Et le bonheur se fait dans les choses simples. Il se cache dans les petites choses. Exactement. Je parlais de mon potager. Vous avez manqué l'histoire du potager. Alors, si vous voulez une deuxième partie avec l'histoire du potager. En fait, avant, j'étais jardinier. Ça, vous ne le saviez pas, mais. On fera une partie 2 au pire. Il y a de quoi faire un bêtisier aussi, là. Franchement, j'ai trop. Avec grand plaisir, on pourra repartager un moment comme ça, même sur une thématique. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, comme on disait, et je vous dis à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao. Bye bye.